Bonjour, bonsoir avec tout super abonné Pam TV. Et bien je dis à nous gen l'autre vidéo pour côté que nous pourrons parler de Wendy. Nous capable dire que c'est biographie Wendy. Si vous pouvez connaître artiste là de la tête aux pieds, et bien je dis à vous gen opportunité pour connaître. Pas oublier abonner channel là, commenter et puis partager vidéo ça. N'a pas tourner tout de suite. Eh bien, nous retournons encore pour nous capable plus d'informations concernant Wendy King ou bien Wendy Traka. Donc, pour nous commencer, nous avons une biographie de Wendy, côté que nous allons parler de qui bon Wendy fait et qui l'a fait tout ça. Donc, Wendy fait 23 mars 1989. Wendy Bonon parle qui c'est Wendy Duvert. Et à l'âge de 13 ans, Wendy quitte Haïti, elle vit en Guadeloupe. C'est là que l'élevé avec ni un frère et un seul. Donc capable dit que Wendy dans l'école pas lycée on est qui était toujours intelligent, qui était toujours fort l'école et son est qui était toujours et concentré, il toujours fait belle note. Donc malgré que parent Wendy pas de gain pile moyen, donc Wendy était fait le nécessaire lui-même pour l'était venir avec belle note et satisfaire mon yo. Donc Wendy son est qui gain pile sagesse et qui respecte mon appel et qui sensible appel. Contrairement avec ça, mon yo pense, Wendy son moun qui mal élevé, toujours dit bêtises, bot. Personnalité là, avec ça que li a pour free public là, c'est deux bagailles différents. Donc, n'a tourné tout de suite pour nous parler de début musical Wendy. Donc, pour nous parler de carrière musicale Wendy, nous avons commencé de l'école Wendy en 2003, côté que Wendy a commencé dans l'école ou bien en récréation, côté que tu as un concours freestyle, artiste qu'on a freestyle, artiste qu'on a essayé de quelques vers, tout ça. Bon, tellement ça a arrivé dans le niveau de bon, belle extension, côté que chaque récréation, tout le monde réuni et a fait beat avec instrument, tout ça, et puis Wendy lui-même a rappé. Nous sommes capables de dire que c'est là que la carrière Wendy a commencé et c'est là que la carrière musicale a commencé. Mais tout de suite après, en 2005, Wendy a joué deux rappeurs qui sont Lil J avec Lil G, CJ avec Lil G. Côté que Wendy a fait plusieurs musiques avec eux, malgré qu'elle n'a pas fait hit, mais Wendy a profité. Musique ça occupe des gains pour faire un mixtape avec côté de compiler toute musique ensemble ils sortent un mixtape. Et tout de suite en 2006, Wendy d'abord vient jouer avec Mackenzie que nous connaissons, nous tous connaissons déjà. Mackenzie qui c'est bon base Wendy, bon ami fidèle Wendy qui toujours là avec elle. En 2006, Wendy d'abord jouer avec Mackenzie qui t'appel aider Wendy dans carrière solo. Et c'est là Wendy d'abord profiter belle occasion ça pour lui aller dans studio bye tout le temps tout ça. Mais en 2005 à 2007, Wendy était obligé de faire un pause pour qui ça parce que bagaille musique ça t'est venu affecter sur étude Wendy parce que Wendy était venu arriver dans un moment côté que et il pas vraiment gain temps pour l'école et ça t'est venu faire que note li a baissé. Donc c'est en 2007 côté que artiste là retourné et côté que artiste là après il fin retourné il commence à écrire tout ça et puis il vient laguer en musique en 2010 qui est le Traka. Nous tous connaissons la musique ça qui c'est Traka. Et bien avec mes musiques ça, artiste la fait un pile hit. Avec mes musiques Traka ça, artiste la même vient avec production par qui c'est Traka record tout ça. Donc c'est là début artiste a commencé, c'est là artiste a commencé à faire un pile dans le monde bien que pour le grand pile radio qui t'a passé artiste là maintenant moment ça t'es gain internet et t'es gain en pile possibilité pour te télécharger musique artiste là. Artiste t'es vraiment fait un petit hit dans le pays là qui c'est Guadeloupe, mais artiste t'es font dividal hit à l'étranger aux États-Unis tout ça et même en Haïti côté gain en pile monde qui t'es commencé dans télécharger musique artiste si veut l'artiste là parce que média ont pas vraiment compte artiste et pour vraiment laguer hit artiste là vraiment. Et c'est dans le même moment ça tout on a venir découvrir talent artiste là et façon que
Wendy lui-même dit chanter façon que lui vini tout en grand monde côté que lui dit que lui c'est king nan nouvelle génération bien que pour qu'on dit que le global mais dit pour nouvelle génération ça moi-même moi en tête. Donc c'est là que non king nan vini et c'est après que artiste la fin fait musique ça d'après sorti en l'autre musique encore qui relé ou doit respecter femme. Pour faire un petit coulé caramel ou gagner un petit voix sans ciel qui fait monter dans le ciel sans ou m'tan cou même moment ça artiste là et bien dans même moment ça artiste là te fait venir artiste là pour te gagner manager tout ça te gagner même Abdias qui te proposé artiste là pour te manager mais le dit artiste ça faut qu'on repense façon que va faire musique yo. Artiste là te refusé, artiste là te dit non, pas capable parce que de chanter ça que le vive et ça que le vive, c'est lui-même qui dit dans la musique. Li yo. Et en 2011, nous avons joué un artiste qui a sorti un nouveau track qui est pas de niveau. Et ça a fait artiste là vraiment connu et en pile monde tendil par rapport à gens qui ont été contents déjà. Et j'en note qu'on est là à l'époque, musique ça a accéléré la popularité de Wendy, mais Wendy a fait plusieurs autres musiques après. Et jusqu'à 2 ans après, nous avons vu jouer Wendy sur un track qui est le level, qui est un bar qui est populaire, qui est PJ sur le qui a fait un légende côté que musique ça fait hit pour tout côté net, Haïti, tout côté net, tout côté États-Unis, tout côté Haïtien, musique ça a frappé tout le monde. PAP ma baye sa sa chwa sa pa sa pa sa fa sa PAP. Wow. Ki sa pou m'fè encore pou nou vage pou mwen. Ha mesye m'bouke di nou vage pou mwen. Bien nan même fin année ça en 2013 même précisément nan même fin année ça même Wendy d'après annoncé premier album ni qui dit très majesté. Et côté album ça gagne en pile musique sous les côté li gen 11 track et plus yon intro et musique qui te fait plus de tout album ça c'est majesté yo mêlé ou soud The King is back. Pleve a nou ke de mi la pekse Mekin na mekin na mekin na mekin na wen ti wi a pa Mak sa chou rafet nan ni pop pou pif me i a pa O bon em si ten. Et bien c'est un album qui te fait un pile hit et qui te vend un pile parce que c'était le premier album qui est en 2013. Et bien 3 ans après, Wendy t'a fait le deuxième album qui est indétrônable qui fait un autre succès encore côté qui te fait un pile parler sous lui. Et album ça a prouvé réellement que Wendy c'est king nié par rapport à toute salle de Wendy. Et dans album ça nous tape un pile succès et yon la de yon qui te décontrôlé nous faire want Stevie Wonder et dis-moi comment faire. Donc album ça c'était un album succès parce que presque tout album là au complet c'était succès, c'était hit tété. Nous décontrôlé. Et tout de suite après succès que Wendy fait avec l'album 2016 là qui c'est indétrônable là, Wendy t'appelle faire un autre mixtape côté que lui t'appelle faire un hommage avec Chibobi Bonflo qui était mort ou bien qui mourit qui était que un rappeur idole ou bien un rappeur préféré. Et malgré lui pas de faire un pile promotion pour album ça te gagne un pile hit là-dedans côté que nous te jeunes notre qui était vraiment frappé un pile monde et qui était venu avec toute vidéo qui c'est idéal. Check les graves dans kem ta tatou mon frère quand tu la tatou les pommes vivre ici qu'on y a m'suspend le fait tatou. On continue dans même fin année ça année 2017 Wendy Tabrel clôturer année avec un autre hit encore qui c'est livraison. Livraison qui fait presque fin année 2017 là a fait hit tout côté c'est livraison tout monde même petit bébé c'est livraison. Elle est la papa. Et bien comme King dans son qui pape dormi. Et bien en 2018 précisément mois de novembre, Wendy t'a pour sorti 3e album ni qui c'est King Rete King. Et bien album ça t'a ben en pile problème parce que le gars pile hit sous lui tant qu'on m'apprendre jaloux, l'aime vle, toute bagaille sous contrôle.
Donc c'est un peu le titre qui te permet que l'album n'a fait un peu le succès. Lorsqu'un album n'a gagné pour 5 à 6 à 7 petites musiques sous les qui frappent, qui arrivent sur un peu le monde, mettre 10 son album qui fait succès. Eh bien, King n'a pas tapé le rythme là, il tapé le fait toute vidéo avec tout petite ça qui fait hit là. Femme te rencontre ou pour qu'elle te batte fort. C'est pas d'être m'a demandé pour qu'il bon Dieu batte fort. Femme te plaie pour montrer qu'elle batte fort. Femme te. Et pour continuer, en 2019, oui, année ça même, Wendy sorti un peu l'autre vidéo avec musique. Côté que dans la vidéo ça, on nous capable de compter musique qui s'est pas qu'à vu sans les côtés le fait avec Chichi. Et vidéo encore que le fait avec Steve J qui s'est bagaille, toute bagaille sous contrôle. Et bien, artiste là va arrêter là, dans le dernier moment ça, artiste là vraiment te gagne un petit problème. Artiste là te malade. Peut-être que c'est rumeur ou bien peut-être que capable c'était tout bon. Artiste là pas porté le bien, artiste là te font bon nombre de temps, il pas jamais publié, il pas jamais lagué rien. Et dans le dernier moment là, ça a gagné 4 jours, artiste a publié une autre vidéo avec toute musique côté que artiste là bat record dans 4 jours. Wendy fait plus que 500 000 vues sur YouTube avec vidéo là. Et n'a bien précisé que Wendy King c'est seul artiste, seul rappeur qui pas gain sponsor, qui pas gain aucun monde que le signe avec. C'est ça artiste a déclaré. Il dit depuis 2010 la fonctionné comme ça, sans sponsor, sans rien, que la frappé et lui toujours gain comme dans mais lui toujours réussi. Si n'a regardé dans vidéo artiste la fait ou bien dans tout ça que artiste a réussi. Concert et tout bagay, n'a pas remarqué que artiste a toujours dope. Ça veut dire artiste a toujours frêle, toujours bon gens que lui comporte, lui toujours gain mac, tennis tampil, mac bagay sous lui. Et artiste a fonctionné sans sponsor. Ça c'est un autre accès ou bien ça c'est un autre opportunité encore pour prouver que n'importe quel rappeur qui voulait réussir, c'est pas une question de sponsor qu'a fort ici, c'est une question de détermination qu'on soit faire. Qu'on soit focus là-dedans là, et puis travaille, monétiser YouTube, monétiser tout bagarre, tout fait tout bagarre au pays en façon pour qu'aller dans même ligne que Wendy aller. Wendy dit déjà il pas besoin de sponsor parce que comme la faire, il suffit pour lui et il réussit avec chaque sac que lui entreprend, surtout qu'on sait que il toujours fait. Donc n'a pas dit merci parce que abonnez channel là et parce que toujours partager vidéo ça. N'a pas dit ciao et merci beaucoup.